chef. Nous sommes les plus forts. Oui, chef. On les aura. Oui, chef. La gueule de cuit. Oui, chef. La gueule droite. Oui, chef. Ah. Oui, chef. Torpilleur comme l'oiseau. Non, j'ai loupé. Là, je l'ai eu, je suis là. Ne riez pas. Vous foutez pas. C'est parce que vous allez avoir affaire à moi, hein. Faites attention, bon sang. Faites attention, quoi. Attention, hein. Alors, écoutez, venez, enfin. Saligo. Je te retrouverai, moi, je te retrouverai. Ben attends, mais tu sais, c'est fini, mais venez, ouais. Et mes gages, qui me paiera mes gages? Vos gages, tenez les poils. Gage de pète. Alors, je vous chasse. Vous n'existez plus pour moi. Eh ben. Vous C'est énergumène. N'approche pas, je te fous marron. Un marron à moi? Les papiers, allez hop. Vous savez pas à qui vous parlez. Je m'en fous. Mon ami. La ferme, hein. Monsieur le ministre, vous avez pas reconnu? Ah mais remettez-vous, voyons, remettez-vous. Et c'est à ce moment-là que je me suis donné un coup sur la tête. Pam. Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin. Oh, c'est moi. Le cheval parle. Le cheval parle. J'ai un cheval qui parle. Oui, je deviens fou. Oui, je deviens fou. C'est vrai, je deviens fou. La ferme. Vous savez pas à qui vous parlez? Je m'en fous. Mais vous savez pas à qui vous parlez? Si, à une folle. Non, vous parlez à madame la colonelle Lefrançois. Alors d'abord, je ne suis pas ton petit coco. Je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco? Le police relaxe le contrôle du physique par le moral. C'est la psychosomatique. Là. Que vous observez, restez relax. Vous observez là comme ça, relax, quand même, relax, relax. Vous observez comme ça, relax, restez relax. Relax. De l'eau. Hein. Voilà. Non. Étiez-vous. Non mais écoutez, attendez seulement que je fasse la preuve que cet article, enfin, que ce torchon est un tissu de mensonge et ça fera du bruit. Mais alors, croyez-moi, plaf. Allez, tac. Relax. Allez, plaf. Relax. Allez, plaf. Ouais. Vous avez oublié votre parachute. Oh, je l'ai. Mais non, c'est un sac. Vous êtes trompé. Je m'en fous. Mais non, commissaire. Je m'en fous, je m'en rendrai. Je le vois, ça y est, je le tiens. Mais tenez-vous, commissaire. Au fond, pourquoi c'est normal? Si c'est normal, c'est normal parce que... Oui, parce que je suis un manuel, sans doute. Eh bien, parfaitement, voilà. Ah, très bien. Regardez ce qu'elle a l'air bête, celle-là, les coffres. Pourquoi Fantômas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Justement, parce que j'avais menti. Tu mens. Il ment. Qu'est-ce que vous... Salope! Je me vengerai. Tiens, c'est toi, Fantômas. Tu as mis le masque de Lord McCrashley.
Allez, donne-moi ton masque. Donne-moi ton masque. Allez, donne-moi ton masque. Ce n'est pas assez triomphant, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Le fantôme que j'ai pendu, le fendu que j'ai... Le fantôme que j'ai vu dans le couloir tout à l'heure était un homme de fantômas déguisé en fantôme. Voilà. Et alors, désormais, tout fantôme aperçu dans le château sera arrêté sur le champ. Dites-vous, vous foutez de moi, l'ensemble, hein? Vous foutez de moi, hein? J'en ai jusqu'à là, je vais même vous dire la vérité, j'en ai jusqu'à là. Sans quelle merde! Grossier personnage, le prix que je t'ai payé, hein? Ne le répète pas. Allez, parle! Tu n'auras rien, mais rien, tu n'auras rien, rien, comme ça. Tais-toi. Non, écoute. Je ne te permets pas de me vouvoyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer, ça suffit, hein. Ça va, ça suffit, hein. Sortez d'ici, vous. Ah bien, monsieur. Non, pas vous, lui. Moi. Ou plutôt non. Vous restez, vous sortez. Calme-moi, je vois. Calme-moi. Mieux que ça. Mieux que ça. Nous avons réussi et eux, ils ont raté. Vous m'êtes reconnaissant, monsieur le président. C'est moi qui vous ai sauvé la vie. Parce que eux, ils vous auraient... Larcoum, Farès, mon président. Y'a pas Larcoum. Y'en a plus. Allez, circulez. Ça peut être raté. Et ils vont y réussir. Foutez-moi le camp tous les deux. Attention, hein. Oh. Ah, vous êtes extraordinaire. Vous n'avez peur de personne. Je voulais de l'estragon et non pas du persil. Voilà. Je m'en fous, parlez-en au chef. Je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon petit Marcel? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, c'est un des broutilles. Non, c'est pour une fois, c'est pas moi. J'étais là. Je priais. Oh, vous n'avez peur de personne. Votre visage prouve que vous avez du cœur. Ta gueule! Au lieu de me tuer là, dans ma voiture, vous me laissez aller au mariage de ma fille. Et demain, vous m'envoyez une lettre piégée. Alors, je suis chez moi. On sonne. Bing! Bing! Qui est-ce? Vous? Une lettre piégée. Quelle honte! Tu n'as pas honte, hein? Lâche! Prononce ça comme ça, hein? Mais, ce que tu veux. Bonaparte! Jeanne d'Arc! Mais je peux jamais perdre, mais va te chatoyer! Ta gueule! Oh mon Dieu! Barre-toi! Toutes mes excuses pour hier, madame la colonelle. C'est moi qui vous en dois. Oh. Désormais, je conduirai plus sagement. Oh. Vous serez toujours les bienvenus. Oh. Bon, et bien, au revoir, cher ami. Au revoir, madame la baronne. ça m'amuse de faire mon marché, vous savez, ma petite popote sur mon yacht, de laver les 6 voitures pour mener tremper. C'est follement grise, hein, vous auriez déjà eu. Au revoir, vraiment. C'est demain, puis j'ai promis. Mon vieux Septime, je ne vous ai pas raconté la meilleure. Vous allez encore me faire rire, monsieur le ministre. Figurez-vous qu'un jour, mon chef de cabinet... Il est drôle. Non mais attendez, voyons. Mon chef de cabinet... C'est délicieux, delicious. Mange, mon fils. C'est délicieux, mange. Que c'est bon. Mais c'est ignoble chez vous. Comment peut-on vivre dans un courbis pareil? C'est ici que Monseigneur loge son personnel. Ah, c'est joli. C'est très joli. Oh, regardez, là. Regardez. Ah, mais c'est moi qui... Mais c'est moi, je vous... Oh,
comment on a du dent, regardez. Qu'il est beau. Regardez. Aïe. Ouïe. Aïe, t'as ouvert moi ça, vous. Et hop, il l'a emballé. Alors moi, il m'épate. Hey, ça, c'est amusant. Non, mais j'arrête pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh bon Dieu, ça fait mal. Alors moi, il m'épate. 1 kg kartoffel. 1 l milch. Drei Eier. 90 g Butter. Salz. Und. Muskatnuss, Herr Müller. Ist ein Salopard. Ein großer Salopard. Yes, my lord. But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sûr que c'est un coup de fantomas. Alors moi, il m'épate. Vous me dites donc pas de familiarité, voulez-vous? Pas de familiarité! Oh, mais ne croyez pas que vous allez me faire marcher à la baguette, moi, hein? Non, écoutez, mon cher, dites-vous bien que nous ne sommes pas du même monde. Alors entre nous, il existera toujours ça, voilà. Alors donnez-moi la main. Mais qu'est-ce que c'est que ce crâne? Faites attention, hein, faites très attention. Bon. Vous n'êtes pas raciste, quelle idée. Moi non plus, quelle horreur. J'aime pas, moi, les Anglais. Vous les aimez, vous, les Anglais? Ben oui. Ah, moi, je les aime pas. Arrêtez! Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, pardi. On est très bien comme ça. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Allons, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant, allons! Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? Allez, il m'en manque un. Mais vous croyez? Oui. C'est sec ou c'est doux? Plutôt sec. Je préférerais plutôt doux. Alors, sauterne. C'est doux? Ah, c'est très doux. C'est pas trop doux. La vieille! Et voilà la vieille. Ça va chauffer! Vous avez une fille? Oui. Ici avec vous? Elle est là. Quel âge a-t-elle? 2. Elle est toute petite. Alors quand un faux fantôme rencontre un autre faux fantôme, qu'est-ce qui se passe? Mais il a peur. Non! Il vous prend pour un complice. Alors il s'approche, il s'approche. Il ne sait pas que c'est vous. Alors là, clac, les menottes, et voilà. Oui. Eh ben et alors? Ma tante Augustine qui avait du diabète dans tous les coins, on lui a enlevé un œil. Ça... Elle est morte. Mon cousin Germain Benoît Clou, il était tout petit dans sa vie, lui aussi il y a eu droit au diabète. Alors on lui a enlevé un œil. Il est mort. C'est bien moi, je dois être fantôme. J'y avais pas pensé, mais c'est moi, c'est évident, c'est moi. Je suis fantôme. Allez, voilà. C'était... Merci, chat Antoine.